Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui l'heure est grave, on est sur la version française. Il me reste Saint-Pierre du Dragon et on va exécuter deux multi-invocations plus une offerte. Donc trois multi-invocations aujourd'hui. Et il y avait le choix encore une fois entre le Festival Dokkan avec Gogeta ou celui de Janemba. Et il s'avère que sur Twitter j'ai posé la question sur lequel vous souhaitez en gros que je fasse mes multi-invocations. Vocation et la majorité l'emporte, c'est pour celui de Gogeta, parce qu'effectivement jusqu'ici je ne l'ai pas obtenu et c'est vraiment la grosse déception quand même de cette version française, parce que je reçois des photos sur Twitter, Snapchat, Facebook, de partout avec plein de personnes, justement plein d'abonnés qui ont Gogeta, et ça me fait chier de le voir partout et de ne pas l'avoir. Du coup aujourd'hui c'est vraiment la dernière des dernières tentatives. De toute manière après je n'aurai plus de pierre du dragon, je ne pourrai plus faire d'invocation, et moi à la base j'étais parti pour faire du Janemba, mais j'ai posé la question sur Twitter et vous avez choisi Gogeta, never give up, ne jamais abandonner, en gros ne jamais rien lâcher. Et du coup eh bien sur ces trois multi-invocations j'espère que Gogeta va tomber, sinon je vais être tellement déçu. Je tiens à préciser que sur le portail de Janemba j'ai fait une petite invocation 5 pierres du dragon, mais uniquement 5 pierres du dragon, et regardez qui c'est que j'ai obtenu. J'ai obtenu Monsieur Gotrunks, Monsieur ou Gotenks, voilà, moi je dis Gotenks en temps normal, mais je sais que la plupart d'entre vous disent Gotrunks, moi je dis Gotenks. Et bien voilà, je l'ai obtenu, SSR agilité, qui plus 2 pour tous les types, canon de la victoire inflige des dégâts colossaux, et ensuite en aptitude passive, attaque plus 10% à chaque sphère de ki obtenu. Donc là c'est quand même assez monstrueux, et apparemment c'est un personnage qui est extrêmement utile, et l'heure est venue, l'heure est venue. Croisons les doigts, Gogeta, c'est maintenant que tu dois sortir. Allez, let's go. Oh putain, moi je voulais faire du Janemba à la base, et pourquoi j'ai posé la question sur Twitter? J'aurais dû peut-être me lancer sur Janemba, parce qu'il y a beaucoup de personnages que j'apprécie dedans. Dans le portail, il y avait du Broly, il y avait du Bardock, il y avait d'autres personnages, Gotrunks Super Saiyan aussi, et j'ai peur de pas avoir ce que je veux là. Bon, déjà, il se met en Super Saiyan d'entrée de jeu comme ça, c'est plutôt plaisant. Par contre, j'aimerais bien avoir un Super Saiyan 3, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas eu, et bien malheureusement, ça ne sera pas sur cette multi-invocation. Allez. Ça commence avec un gros Bou, avec un Monsieur Bou, SR Intelligence. On commence tout doucement, j'espère que ça va monter en puissance. Je croise les doigts. Ah ouais, bah non, là on monte pas en puissance, non. Là on redescend de 3 étages, là. Ah ouais, c'est un peu triste, ça. Allez, suivant. Suivant, Monsieur Satan, mais qu'est-ce que c'est ce complot maléfique? Monsieur Satan, ah non, non, Monsieur Satan, t'as pas le droit de me faire ça. Allez, Piccolo, bien sûr, Piccolo. De toute façon, Namek, il en faut au moins un par multi-invocation, sinon c'est de la triche. Allez, suivant. Oub, je l'ai déjà, Monsieur Oub, je l'ai déjà. Aïe, 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 ça commence mal. Allez. Ah non, le collègue de Bardock, là, le Saiyan à l'ancienne, là, comment il s'appelle, lui? Thomas, voilà. Qu'est-ce que j'en ai à faire de lui? Alors déjà, on se tape pas mal de rares, hein, pour le moment, je crois qu'on est à 3 ou 4 rares, et 1 SR, ou peut-être 2 SR, j'ai pas fait attention, mais c'est un peu la tristesse. C17, c'est pas... Ouais, voilà, c'est le C17 rare agilité, je pensais que ça allait être un SSR, non, non. Non, non, c'est bien le rare, on continue sur du rare. Allez, Videl, c'est parti. Alors ça, c'est quoi? C'est SR au moins, non? Ouais, rare. Oh, mais dis donc, des rares, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, là, sur cette multi-invocation. Oui! C'est Gogeta! Oui, Gogeta, oui, monsieur Gogeta, oui! Oh putain, vous avez bien fait de me conseiller de la faire, cette multi-invocation. Oh, que vous m'avez bien aidé, là. Oh oui! Oh putain, je fais un screenshot direct. Oh là 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 là, c'est grâce à vous, ça, c'est grâce à vous, parce qu'à la base, je devais partir sur la multi-invocation de Janemba, et qui c'est que je me tape? Gogeta, Gogeta, oui, putain, j'ai Gogeta sur la version française et Super Vegeto sur la japonaise. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah oui, ah là ça refait ma journée. Ça, ah, ah là 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 là. Ah, je suis tellement content. Allez, suivant. Ah là, il peut m'amener n'importe qui. Ça sera Goten. Eh ben, c'est parfait, c'est pas grave. Oh là là, je suis tellement content d'avoir eu Gogeta, tellement soulagé, parce que je voyais tellement de personnes l'avoir et me dire que je ne l'ai pas. C'était une frustration plutôt, excusez-moi, profonde. Et là, le fait de l'avoir eu, pff, assez beau. Ah que c'est beau. Ah que c'est très 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 beau. Je refais un screenshot, je m'en fiche. Hop, parfait.
Et du coup, eh bien, on va passer à la multi-invocation suivante, si je peux. Ouais, il va falloir aller revendre. Donc, on va aller chez dans le lieu d'échange chez Mademoiselle Baba. Et tiens, on va prendre ça au passage. On va prendre ça, mais quel soulagement ! Gogeta, enfin, il est sorti. Et c'est bon, on a le guerrier ultime. On a le guerrier ultime sur la version française. Et il ne peut que aider mon équipe, de toute manière. Autant se faire plaisir. Allez, c'est parti. On sait jamais, hein, peut-être qu'un sel technique tombera. Hein, on sait pas du tout. Donc... ou même un gold freezer agilité, ça serait vraiment le top du top si on veut rouler sur l'événement Dokkan de Gogeta. Et maintenant, va falloir que je le fasse. Ah, super scène d'entrée de jeu, va falloir que je le fasse. Ouais, justement, monter mon Gogeta en type au-dessus de l'ultra rare, là. Super Saiyan 2, tout à l'heure, c'est grâce à ça qu'on a eu quand même du Gogeta avec le super scène d'entrée de jeu en bas. C'est qui, ça? Ah oui, d'accord, ouais, non, c'est du caca. Je pensais que ça allait être un Saiyan avec la coupe de cheveux, mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. C'est de la merde, doré. Allez, suivant. Qu'est-ce que c'est, ça? Tenshian. Oh, Tenshian. Oh, je l'ai jamais vu, celui-là. Putain, je l'ai jamais vu, ce Tenshian. Je l'ai vraiment jamais vu. Putain. Pff. Vraiment, je l'ai jamais eu, je l'ai jamais vu. Je sais pas du tout d'où il sort, mais bon, très bien, pourquoi pas. Suivant. Docteur Gero. Docteur Gero, hein. Docteur Gero rare. Super. Allez, c'est quoi, ça? C'est Videl encore. Allez, Videl. Toi, je sens que tu m'aimes bien aujourd'hui. C'est déjà la deuxième. La dernière fois, pareil. Allez, Yamcha. Mais oui, allez, on se tape tous les humains les plus pourris du monde. Allez, c'est parti. Bon, Videl est pas mauvaise. Attention, là, j'abuse un peu. Et Docteur Gero. Ah ben lui, ah, c'est bon. Lui, c'est sûr, il est amoureux de moi. Déjà deux fois dans la même multi-invocation. Lui, c'est sûr, il est amoureux de moi. Allez, chichi, c'est parti. Un humain de plus. Bravo. Et sinon, tu me fais péter un Saiyan ou un Cell, là, ça serait cool, un petit cyborg. Et Oob! Mais Oob aussi, ça fait déjà deux fois dans cette vidéo, Oob. Je suis pas content, Oob, hein. Franchement, j'aurais préféré que tu restes ailleurs. Pourquoi tu es venu? Allez, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? C'est Yamcha, ben oui! Double Yamcha, double Videl, double Oob, double Chichi et tout ce que tu veux. Allez, Sangohan, bon, ça y est, on a enfin un Saiyan type puissance, mais c'est pas du tout le Gohan que j'aurais voulu avoir. Et du coup, on termine cette multi-invocation ici. Eh bien, heureusement que j'ai eu Gogeta sur la première, parce que là, c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Et là, je crois qu'il y en a aucun que je vais garder. Voilà, ils vont tous partir chez Baba. Oh, là, ils partent tous chez Baba. Alors là, sans hésitation, ils partent tous chez Baba. Je sais pas... Ouais, si, je sais quel personnage je vais avoir. Le Cell Technique et le Gold Freezer. Si je peux avoir un des deux, ça serait déjà très très bien. Si j'ai le Gohan Ultime Agilité, pourquoi pas? À la rigueur, pourquoi pas? Même Kid Buu, je prends avec plaisir. Paul Kuan, à la rigueur... Bon, si je l'ai, je serais content, c'est un SSR, mais si je l'ai pas, ça me dérange absolument pas. Et puis si on a un deuxième Gogeta, ben, on prend avec plaisir, comme ça on fait monter l'attaque spéciale niveau 2 à la rigueur, et puis voilà. Allez, let's go. Ah, Monsieur Satan. Est-ce que tu te mets en Super Saiyan ici? Monsieur Satan est Super Saiyan? Alors voyons voir. Est-ce qu'il se met juste en Super Saiyan 1 et bye bye les gars? Non, Super Saiyan 2? Ah, est-ce que Super Saiyan 2? D'accord, bon après Monsieur Satan, ça veut rien dire aussi, hein. Ça veut rien dire aussi. Alors, on commence avec quoi? On commence avec, qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, d'accord, oui, c'est bon, je vois qui c'est lui, mais par contre son nom... Sauzer, c'est bien, Sauzer, c'est pas un collègue de couleur, je crois que c'est un sbire de couleur, le frère de Freezer, si je dis pas de bêtises. Si c'est ça, je me souviens, mais très rare, très vaguement, on va dire. Monsieur Bou, intelligence SR que j'ai déjà obtenu tout à l'heure. Eh bien, dis donc... Suivant, allez, Great Saiyaman, c'est parti pour la caca, Great Saiyaman, tu seras revendu, Monsieur Jaco, bah c'est pareil, tu vas pas rester très très longtemps, Monsieur Jaco, là ça y est, je suis rempli d'émotions avec le Gogeta, du coup je commence à bugger un petit peu. Suivant, Piccolo, mais oui, rare intelligence, suivant, oh, comme c'est étonnant, encore un Piccolo, rare en plus de ça, dis donc, eh bien, heureusement que j'ai obtenu Gogeta sur la première multi-invocation, hein, parce que là, vu la merde que je me tape après, oh là là, heureusement, parce que sinon, j'ai arrêté le jeu, clairement, j'ai arrêté le jeu. Allez, Nail, la spéciale Namek, l'invocation spéciale Namek. C'est très très bien, il nous restait un ou deux personnages. C'est 18 SR, ça, non? Ah non, même pas, rare, c'est 18, rare. Allez, il nous reste un ou deux personnages. Sangohan. Ah non, c'est Krillin, putain, je l'ai confondu avec Sangohan sur la... Parce qu'il y a un Sangohan comme ça qui met un high kick en l'air aussi. Ok, non, c'est Krillin que j'ai déjà. Et du coup, on a terminé ici. Heureusement,
heureusement que j'ai eu le Gogeta. Oh, la boost que j'ai obtenue en gros sur les deux dernières multi-invocations. Oh la vache. Alors après, le taux de drop est extrêmement bas aussi hein, sur ce portail Gogeta. Le taux de drop de SSR, je crois il est de entre 7 et 6%, donc ce qui est vraiment hyper bas. Et du coup là, on peut s'estimer chanceux et heureux d'avoir obtenu le Gogeta dans la première multi-invocation. Parce que derrière, ça aura été la caca complète. Mais vraiment, la caca de chez caca complète. Donc là, on est plutôt refait. On va aller voir un petit peu ma liste de personnages. Donc dans le type agilité, Whis en UR, Gohan adolescent, enfin Gohan on va dire adulte, mais bon normalement il est adolescent. Ultra rare, Sangoku en Genkidama ultra rare, Sangoku Kaioken ultra rare. Donc ça va, on a quand même le Gotenks que je vais faire monter ultra rare aussi. En type technique, Made in Vegeta ultra rare, couleur, forme finale ultra rare. On a deux Sangoku en ultra rare aussi. Donc là on est plutôt pas mal, mais je pense qu'il me manque vraiment un gros personnage sur le type technique. Comme par exemple le sel, mais ça va, on se contentera de ce qu'on a. Le type intelligence, on a le Gold Freezer qu'on peut faire passer en ultra rare. On a du Trunks ultra rare, du Vegeta ultra rare. On a le Whis qu'on peut faire passer en ultra rare aussi. Donc ça va, on a quelques personnages de côté. Le type puissance, bah là c'est là où j'ai vraiment les personnages les plus monstrueux du coup. Goku Super Saiyan 3, Goku Super Saiyan God. Sangohan adolescent en Super Saiyan 2 ultra rare aussi. Sangoten en Super Saiyan et puis Gogeta et ah oui j'ai un double Goku Super Saiyan 3 donc là si je veux je peux le faire monter en attaque spéciale niveau 5 déjà. Donc on est plutôt pas mal. Et sur le type endurance, eh bien nous avons Vegeta en Super Saiyan God Super Saiyajin, nous avons Gohan Ultime, du Vegeta Super Saiyan. Donc là aussi on est pas trop mal. Et un Goku SSR aussi en mode balance un petit Genkidama je crois. Donc on est pas mal. Écoutez, sur ce on va terminer cette vidéo quand même. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas bien sûr n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Si vous avez des conseils, astuces ou autres, tout ça c'est dans les commentaires sous la vidéo. Et puis n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, principalement sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif, mais vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, j'allais dire une connerie, mais oui, dans la description de la vidéo. Sur ce, on se laisse, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, et maintenant il va falloir que je farme les pierres du dragon en mode Z Art sur le mode histoire. Au revoir tout le monde !